Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui le dimanche 18 décembre pour une vidéo où je suis un peu en mode nature. Bon, à peu près comme toutes les autres vidéos, je suis pas maquillée de toute façon. Pure touffe, etc. Donc voilà, donc c'est parti. On y va pour l'ouverture de la 18e case. Alors je vous montre pas aujourd'hui, c'est une grosse case. Et enfin, j'espère que ça sera un full size ou quelque chose plutôt pour le corps, crème, un lait, même un gommage, peu importe. Parce que je peux toujours rien faire sur mes ongles, donc hop, voilà ce que j'ai eu aujourd'hui, je vous le montre. Donc c'est des lingettes hypoallergéniques à 95% naturelles. Apparemment c'est au concombre, à l'aloe vera. Bon alors à quoi ça sert? Oh, en plus c'est écrit en français, c'est trop bien. Donc essuyez doucement le visage et le cou pour nettoyer la peau et éliminer les impuretés et le maquillage. Pas besoin de rincer, vous vous la prêtez pour la journée. Oh, trop bien, c'est une petite lingette qu'on peut, je pense, facilement mettre dans la valise et emporter partout. Je vais juste ouvrir pour sentir. Bon, j'espère qu'elles vont pas sécher du coup. On verra bien. Effectivement, ça sent le concombre, mais... ça sent un petit peu, pour vous donner un peu une idée, vous savez, il y a un peu les eaux détox qui étaient très à la mode cet été, concombre, citron, etc. avec de la menthe, ça sent exactement ça. Ça sent juste le les petites eaux détox, ça sent exactement ça. Alors, moi j'ai déjà mis ma petite crème, on est dimanche, etc. Donc je vais pas trop l'utiliser sur moi, mais je vais quand même en sortir une. Donc ça sent, ouais, ça sent ça, ça sent les eaux détox. Les petites lingettes, hein, vous voyez, rien de bien compliqué. Alors c'est marrant parce que ça sent énormément le concombre, mais sur la peau, ça sent quasiment rien. Puis c'est hyper doux, c'est hyper crémeux, donc c'est cool. Enfin c'est crémeux, façon de parler, hein, c'est... Enfin, ça embête pas la peau, quoi. C'est marqué tout pour nettoyer, enlever le maquillage et nourrir la peau. Donc c'est super cool. C'est de la marque Yes Too. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Une petite vidéo, c'est dimanche, c'est cocooning. Moi je vais aller retourner sous mes draps, je suis encore malade. Donc je vais aller en profiter pour me reposer. On arrive dans la dernière ligne droite, les 7 derniers jours avant Noël. Je vous promets plein de surprises pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à venir demain et après-demain et encore jusqu'à Noël. Et on fera un petit récap, on va dire, de tout ce que j'ai eu le 25. Et aussi, vous donner un peu mes impressions, vous donner les bons petits trucs que j'ai eu dans ce calendrier, parce qu'il est juste là. Et voilà, on se retrouve très vite.